avec deux petits colis que j'ai reçus. Donc c'est pas de partenariat, c'est des commandes que j'ai effectuées moi-même. Alors celle-là, alors je vais vous mettre en bas, je pense que ça sera plus simple. C'est une toile, donc j'ai juste ouvert le haut des paquets pour que ça aille plus vite et vérifier si c'était pas de partenariat puisque j'en attendais, mais comme d'habitude je n'ai toujours rien reçu. Donc là, hop, c'est une toile 30 par 40 qui vient d'AliExpress. Je vais... Après je vais vous montrer c'est quel vendeur sur AliExpress, parce que là il n'y a pas le nom et je ne l'ai pas de tête. Donc la photo c'est ça, là vous avez toutes les pierres. Alors oh là là, il va falloir que je fasse très attention, il y a plein de pierres qui se baladent, il doit y avoir un sachet qui est cassé. Donc c'est des sachets en ribambelle. Alors, sur les oreilles. Non, le sachet n'a pas l'air de faire trop non plus. Ah bah il y a une pierre qui a volé déjà. Donc je sais pas où elle est, mais bon, bref. C'est du rond. C'est du rond, c'est en ribambelle. Et les sachets sont tous numérotés couleur or, ce qui permet de bien voir même dans les couleurs super sombres. Là vous avez du 33-71 qui est beaucoup sombre. Et du 310, donc du noir, qui est très très sombre. Ils ont l'air d'être de bonne qualité. Ouais, ça a l'air. Il n'y a pas l'air d'avoir de déchets. Donc à voir. Je vais vous montrer la feuille de route complète. Par contre, il va falloir que... Alors en plus, je vais pas le faire tout de suite. Donc il va falloir que je cherche... Après la vidéo, que je cherche quel sachet ouvert pour mettre dans un petit zip. En espérant qu'il ne m'en manque pas. Sinon, je vais, de toute façon, j'ai contacté le vendeur en lui disant qu'il y avait un sachet qui est abîmé. Et que... savoir s'il peut me le renvoyer. Donc là, il y a 40 couleurs. 40 couleurs. Alors, pour le nom du vendeur, c'est... Sur AliExpress. Après, je vais vous présenter la toile. Hein. Ne vous en faites pas. Je vais tout vous présenter. Je vais essayer de vous faire une vidéo complète. Alors, attendez. Parce que j'ai fait une recherche tout à l'heure sur AliExpress et du coup... Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Donc alors... Il est où? Il est là. Je l'ai commandé le 26 février et je l'ai reçu aujourd'hui. Nous sommes le 17 mars. Donc... Ouais, à peu près 15 jours. Je l'ai payé 7,49€. Et le vendeur... c'est Paramount Store. Voilà. Là, vous avez le nom du vendeur. Paramount Store. Et voilà, il coûtait 7,49€. Et c'est un 30 par 40. Donc du coup, on va ouvrir la toile. Ah non, je vais vous faire le kit tool. Kit tout classique, un stylo tout simple, un gros pain de colle quand même, une pince à neuneux, une barquette. Par contre, il y a des sachets zip, ça c'est génial. Je vais pouvoir m'en servir d'un pour récupérer le sachet qui est percé. Ou à moins que c'était des pierres en plus et qu'il n'y a pas de sachet de percé, j'espère. Sinon, on va être un peu embêté. Donc j'espère que la taille de 30 par 40 va être suffisante pour ce modèle de toile. On va voir ça tout de suite. Donc, c'est pas de la toile coulée, c'est de la toile double face. C'est du double face. Enfin, moi, ça me dérange pas parce que de toute façon, quand c'est du papier transparent, je remets du papier du papier cuisson à la place parce que je n'aime pas le papier transparent. Alors désolé pour le bruit du téléphone. Voilà. Donc là, on l'a bien aplati. Alors, comment je vais faire pour vous montrer? Et on va essayer de faire comme ça. Je vais vous montrer au mieux. Allez-y, on est parti. Allez. Allez, let's go. Ouais, il a l'air d'être... Ah, il m'a l'air d'être bien. Ah, vous voyez, vous, là? Franchement,
Il m'a l'air d'être bien. Ouais, je pense que vu qu'il n'y avait pas tant de détails que ça, 30-40, il y avait plusieurs tailles. J'ai pas voulu prendre plus petit, mais 30x40, je me suis dit ça devrait aller. Je pense que. Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gros détails. Donc, hop, vous avez vu, je vais recoller le papier. Et je vais vous faire dans l'autre sens pour le bas. Et je pense que ouais, ça va aller. Alors c'est pas une qui va être faite tout de suite parce qu'il y en a encore plein d'autres à finir avant. Ouais, même là, les boucles au niveau des chaussures, nickel, on voit. Hein. On voit qu'il y a des boucles sur les chaussures. Ouais, ouais. Bah je pense que ouais. Je pense que la taille est très bien. Voilà. Donc à voir la prochaine quand je vais le faire. Alors par contre au niveau de la colle. Ouais, ça colle super bien. La toile, il n'y a pas de rivière. Il n'y a pas de pli. Franchement, c'est vrai que 7,49€, ça m'a un peu embêté parce que je me suis dit, bah, finalement, ça fait un petit peu cher. Mais ouais, au final, je ne suis pas déçue. À part bah, pour le sachet, là, il faut que je voie. Je vais voir après l'histoire du sachet. Et puis au pire, s'il y en a un d'ouvert, je vais contacter le vendeur et je vais lui demander s'il peut me renvoyer un sachet pour être sûr. Mais sinon, ça, c'est bon. Donc ça, c'est sur AliExpress. Maintenant, on va passer à Vova. Parce que j'ai retéléchargé l'application parce que j'avais eu des petites pubs et tout. Et puis du coup, je me suis laissé avoir parce que du coup, j'ai commandé dessus. Donc j'ai commandé 1, 2, 3 articles. Et 4e n'est pas encore parti de chez eux. Donc ça fait presque 15 jours. Donc je pense que je vais annuler la commande aussi. Donc j'en ai un là. J'ai un là, un petit colis et un petit colis là. Alors le petit colis, on va voir le tout petit tout de suite. Les deux autres, je pense que c'est des DP. Et ça, normalement, ça n'a rien à voir avec le DP. Il n'y avait pas mon adresse, non. Par contre, il y a marqué sur tout, il y a marqué Vova. Donc c'est arrivé en... Bah, j'ai commandé le 1er mars. Et on est le, je vous ai dit, le 17. 17 jours. Sachant qu'il y avait eu des week-ends. Donc 17 jours. Ça, je pense que c'est les étoiles pour mettre dans la chambre de ma pépette qui n'a rien à voir avec le diamant painting. Ouais. Donc c'est des étoiles fluo. Je vais en accrocher un peu partout dans la chambre de la petite parce que la nuit, elle se réveille des fois et elle pioule. Donc là, on a du double face. Donc ça la rassurera peut-être. Une lune. Et puis bah, plein d'étoiles. Alors normalement il y avait, alors je l'ai rencontré hors caméra, mais normalement il y a 100 pièces. Et vous voyez, c'est pour faire, oups, mince, c'est pour faire comme ça. Donc je vais y faire ça dans sa chambre, voilà. Et là c'était 2,56€ le paquet. Donc ça, je suis satisfaite. Mais ça, il y a plein de... Je sais pas si vous allez voir. Il y a plein de petits... Ici, on voit des paillettes dans les étoiles. Ça va être trop bien. Je vais y en mettre, je pense, plutôt au plafond, au-dessus de son lit. Et sur le côté de son lit, de façon à ce qu'elle les attrape pas. On va faire... Alors, le petit paquet noir. Qu'est-ce que c'est? C'est un DP. Alors, hop. Donc, lequel que c'est? Ah ah! Ouais! Alors, ça, je m'en serais douté de cette bêtise. Je m'en serais douté. C'est un peu une connerie, ça. Ça fait très longtemps que je l'ornais dessus. C'est un panda. À moins que ça soit avec des strass spéciaux. Sinon, je pense que c'est un peu une bêtise. Je pensais qu'il était entier. Ah, et puis c'est que des strass normales. Donc là, vous avez les couleurs. Du orangé, du beige, du saumon clair, du blanc. Encore une espèce de saumon, du marron et du noir. Alors, ça fait très très longtemps depuis le tout début que j'ai commencé Diamond Painting que je voulais me faire cette toile-là. Voilà, c'est le panda. C'est le petit panda. Alors moi, je l'avais vu en strass spéciaux. Mais je ne l'ai pas retrouvé.
Et sur Vova, elle n'était pas très chère et je me suis dit, je pensais qu'elle était déjà entière à faire. Mais du coup, je m'aperçois qu'elle n'est pas entière. Et je me suis dit, bah du coup, je vais la faire et peut-être qu'il y a ça en strass spéciaux. Mais non, bah du coup, non. Donc, en taille, c'est du... Il n'y a pas la taille. Il n'y a pas la taille. Donc du coup, bah ouais, il n'y a que le panda à refaire. Bon, bah c'est pas grave. Elle colle super bien. Et puis, bah du coup, je la mettrai peut-être dans la chambre de la louloute. Parce que notre chambre, nous, ça va être Dragon Ball. Ou dans mon entrée, ou dans ma salle à manger, je sais pas. Ou dans la chambre des garçons, s'ils la veulent. Je sais pas du tout. Le kit tool, il y a deux sachets zip, apparemment. Une petite barquette, un stylet, un petit pain de colle. Largement de quoi faire. Bon, elle a l'air de bien coller. Elle a l'air d'être de bonne qualité. Bon, bah, voilà. Un petit peu déçu, parce que bah, je croyais que c'était en entier. Ah ouais, je l'ai payé en plus 14,23€ quand même. Donc, je pense que c'est un petit peu riche. Aïe, je pense que je me suis fait un petit peu eu. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Donc, ça sera à faire dans les prochains mois, dans je sais pas combien de temps. Hop, 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 hop. Je vais ranger ça dans le sachet plastique. Donc, ça, ça a l'air, la toile a l'air d'être super épaisse. Donc super rigide. Bon, je vais le ranger après parce que je le fais là et je vais vous faire le dernier. Le dernier, le plus important. J'espère que je me suis pas fait U comme l'autre là parce que le dernier je l'ai payé 5,34€. Donc là, le panda 4,23€ et la dernière, je vous la montre. 5,34€, j'ai total craqué. Et en plus, cette toile-là, franchement, c'est la première fois que je la voyais. Donc, je peux peut-être vous l'ouvrir en grand, ça serait peut-être mieux. Voilà. Moi, c'est la première fois que je la voyais et j'ai total craqué. C'est ça qui m'a fait craquer, d'ailleurs. Donc, tac. Oh, ça a l'air d'être encore un autre vendeur. Alors tout ça c'est du rond. Hein. Fini les carrés, je n'en veux plus. Alors c'est pareil, c'est une 30x40. Là il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Donc de toute façon. Hein. Il y a 24 couleurs. Par contre leur... là je vais zoomer. Leur feuille de route a l'air d'être géniale. On va vous mettre debout comme ça sur la feuille de route. Là, vous avez. Alors, ça, je pense que c'est le numéro des sachets. Alors, je sais pas comment c'est. Mais bon, ça, c'est les numéros classiques. Là, ça doit être le numéro qu'on retrouve sur la toile. Les ronds de couleur. Le nombre de diamants. Parce que ça, c'est pas les références. La référence DMC doit être là, non? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'apparente à de la... Non. Je sais pas. Parce que là, en tout, il y aura 10 912 sachets à, diamants à poser. Mais... Il n'y a pas de... Ça, c'est le nombre. Ça, ça doit être le nombre de sachets. Ou le nombre qu'il y a dans le sachet. C'est quoi, 7 939. Bah si, ça, ça doit être les références DMC. Peut-être que ça, c'est les références... Oui, ça, c'est la référence DMC. Donc, Dédé, regarde, dans le premier tiroir, il doit y avoir un stylo. Ça, c'est en rouge. Là, c'est les DMC. Et alors, ça, c'est peut-être le nombre de sachets qu'ils ont mis. Je sais pas. On va regarder. Et ça, c'est sûr, c'est la DMC. Donc, leur liste, elle est super détaillée. Non, mais donne le feutre, c'est pas grave. Voilà, là, c'est, à partir de là, c'est la DLC. Donc, c'est quand même bien détaillé. Les chiffres, c'est simple. Hein, de, jusqu'à 8, c'est des chiffres. Et après, c'est des lettres. Il n'y a pas de symbole tordu ni rien. C'est génial. La feuille de route est très bien. On va la poser de côté. Maintenant, la toile. Oh, ça a l'air d'être top. Hein.
Parce que peut-être je me suis dit, il n'y a qu'une taille, donc de toute façon je ne pouvais pas changer. Mais je me suis peut-être dit, il aurait fallu la taille au-dessus. Donc pareil, un plastique. Ah, la toile est super fine là par contre. C'est pas du tout pareil, on voit limite le jour à travers. Hop, les tiens, on regardera après. Mmh, ouais. Bah franchement, je pense que ça c'est lisible. On voit bien que là il y a Champi. Là on voit qu'il y a Luigi. Je regarde, je contrôle un petit peu en même temps avec la feuille de route pour voir. Là ouais, il y a les nuages, les. Ouais, je pense que au niveau de la taille, on est bon. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Alors. Hop. Je sais pas ce que vous pensez, vous, mais. En plus, c'est de la toile coulée, c'est génial. Enfin, génial. Moi, j'aime pas le plastique, c'est ce que je vous ai dit avant, mais je vais l'enlever. Quand au moment de la faire. Ah non, je pense que, franchement, on va demander l'avis à monsieur qui est sur le côté, là. Tu vois bien les symboles ou pas? Les dessins? Ah oui. Ouais. Là, au niveau de la taille, je pense qu'on est super bon. Au niveau de la colle, mais ça colle super bien. Donc là, c'est pas des marques. Hein. La toile n'est pas abîmée, c'est le papier qu'ils ont roulé. Hein. Regardez, là, je vous soulève. Il n'y a aucune marque sur la toile. Il n'y a rien. Tout est nickel. Là, il n'y a pas de marque. Les symboles... Ils sont lisibles. Ils sont lisibles, mais comme il y a pas mal de couleurs foncées, je pense que ça va être un petit peu. Ils sont bien lisibles. Ils sont bien lisibles, mais au niveau des fonds de couleurs, ça va être peut-être un peu compliqué par endroit. Peut-être que c'est une toile qu'il faudra faire avec la tablette. Je sais pas. Je vais vous zoomer. Vous allez juger par vous-même, surtout dans le Luigi là. Alors, hop. Vous voyez, c'est net, franchement, c'est pas non plus, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. On va regarder maintenant les perles et le kit tool, hop là, ça je le remettrai mieux après. Donc ça sera une qui sera faite un peu plus tard aussi. Alors mince. Même embrouille que tout à l'heure. Vous voyez, alors là sur Vova, je sais pas où il faut porter réclamation. Mais je vais porter réclamation. J'ai plein de perles qui sont en train de se balader. Donc ça, c'est pas un bon coin. Après, c'est peut-être le sachet qui est fragile et du coup qui a mal été coupé. Ça peut arriver à tout le monde, mais du coup, ben voilà, c'est un petit peu embêtant pour nous. Donc je suis en train de chercher l'ouverture. Elle est là. Ah, ça me plaît pas trop. Déjà, ben voilà, aujourd'hui, 2 toiles sur 3 qui ont des pierres qui sont en train de se balader. Alors, hop, on va essayer de les laisser à l'intérieur. Alors, le kit tool, le sachet, franchement, je vais le garder pour remettre des perles ou quoi. Parce que le sachet, on sent qu'il est de très très bonne qualité. Donc, on a 2 stylets et bien avec 2 multiplacers. Moi, je m'en sers pas. Je me sers du 3, pas du plus. Et je préfère celui avec le plastique blanc qui est beaucoup plus fin. Et là, en ce moment, en plus, quand je fais du carré, je me suis remis à la pince. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Et aussi pour faire multiplacer, parce que j'arrive à en poser 3 faciles, des fois 4 et 5. Donc, et il n'y a pas de jour. Un bon pan de colle. Donc ça, c'est génial. Et au niveau des diamants... Alors, par contre, c'est écrit en noir sur les sachets. Et du coup, les sachets... Ouais, du coup, les sachets foncés, c'est un peu gênant, vous voyez. C'est un petit peu embêtant, mais sinon, voilà. Il y a deux belles couleurs. De très belles couleurs, c'est ça que je voulais dire. Donc là, hop. Donc, j'aimerais bien trouver lequel. C'est un bleu... C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, non? Je sais pas. 799, je crois que ça a l'air d'être ça qui se balade. Ah non, j'ai trouvé. C'est le 161, il est coupé à ras, là. Vous voyez, un trou. Il a été coupé trop court et
toutes les pierres sont en train de se barrer. Donc du coup, ça le 161, il en fallait deux sachets. Donc ouais, j'ai un sachet qui est complètement ouvert, donc je vais essayer de voir avec le vendeur. Je vais essayer déjà de récupérer toutes les pierres qu'il y a dedans et je vais voir avec le vendeur si il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Je vais, Boba, j'y connais pas grand chose, donc je vais essayer de contacter et de voir. Donc voilà pour mes petits achats. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous.